C'était le 22 mars, j'étais au Campo avec la commission taurine mantoise pour 3 jours à visiter les élevages. Et donc ce jour-là, chez Pedraza de Yeltes, est arrivé un moment quand même assez impressionnant. Donc j'étais sur le pick-up avec les ganadères en train de faire le tour des taureaux pour pouvoir les photographier. Et puis tout d'un coup, j'ai remarqué 2 taureaux qui commençaient à se regarder d'un peu près, à se toucher les cornes et puis finalement à mettre un petit peu de force. Et puis tout d'un coup, tout allait très très vite. Les taureaux ont commencé à reculer tout en se battant. Et puis le ganadaire s'est aperçu que les taureaux se battaient. Donc il a essayé avec le pick-up de foncer sur eux pour pouvoir les séparer. Et puis là, il a fallu s'accrocher, se cramponner. Mon collègue Sébastien de la vidéo, lui, est tombé à la renverse dans le pick-up. Et avec Thibaut Tout le Monde de Sud-Ouest, on est tous les deux en train de s'accrocher au véhicule et pour photographier tant bien que mal ce beau combat de taureaux. L'appareil photo faisait des mouvements assez impressionnants. En temps normal, je n'aurais jamais fait ces photos puisque même de qualité, ça reste des photos qui sont pas techniquement parfaites, mais le moment était quand même assez impressionnant. On a vu ces taureaux se soulever. Si on regarde bien sur la séquence des photos, en fait, c'est un deuxième taureau ensuite qui est soulevé. Ce sont 2 taureaux différents. Et par chance, donc, ces taureaux avaient des fundas, donc ils ne se sont pas blessés, ils n'ont pas été percés, comme ça peut arriver des fois au campo quand les taureaux défendent leur territoire. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de les retrouver le 24 juillet aux arènes du Puy-Masson, voir comment ils sortent. Il me tarde vraiment de les voir sortir en piste.